suis Roselyne Gutiérrez. Je suis directrice de cette librairie. Dans cette librairie, nous sommes tous salariés. Donc, c'est une librairie qui a été créée en août 1944 à la libération de Toulouse, de l'initiative de résistants, qui ont installé cette librairie de manière évidemment très sommaire. Hein. Ils ont pris une table et ils ont mis sur cette table, dans un local, en centre-ville, des livres qui circulaient clandestinement pendant l'occupation allemande. Ça s'est fait ça au moment où la France n'était pas encore complètement libérée, hein, puisqu'on était en zone sud à l'époque. Et il est à noter qu'au moment où la France devait reconstruire son industrie et son économie, qui était évidemment exsangue pendant la guerre, certains ont pensé qu'un pays se reconstruit aussi avec sa culture, parce qu'un pays sans culture, n'est-ce pas, ce n'est plus complètement un pays. Et donc cette librairie est en centre-ville jusqu'à la fin des années 70. Et donc en 1981, on a décidé, c'était un choix de politique culturelle, de venir nous installer dans ce quartier du Mirail, où à l'époque il n'y avait pas grand-chose, il y a d'ailleurs encore moins aujourd'hui. Et toutes les librairies dans les grandes villes sont dans l'hypercentre, on va dire. Les nouveaux lecteurs dans le centre-ville, on ne va pas les gagner là, hein, il y a déjà une offre assez considérable. Et nous, on a fait le choix de venir dans un quartier où gagner des lecteurs est des fois un petit peu plus long, un petit peu plus compliqué, mais à mon avis, c'est la base du travail. C'est-à-dire, on n'attend pas que les gens viennent à la librairie, mais les livres qui vont aller aux gens. Donc on est installé ici depuis janvier 1981, ça commence à faire quelques lustres maintenant. Et donc on fait ce travail de participer à toutes les initiatives qu'on nous propose pour mettre en avant les livres et la lecture, et d'organiser aussi dans le forum des rencontres. C'est au rythme de, en gros, une fois par mois, depuis tant d'années, qu'on reçoit des auteurs ici et qu'on participe aussi à des manifestations à l'extérieur. On organise le Festival des littératures policières ici, au Mirail, avec l'association Toulouse Polar du Sud, qui s'est créée il y a un peu plus de 9 ans maintenant, puisqu'on a fait 8 festivals. Et effectivement, le choix, ça a été de le faire ici, au Mirail aussi, parce que l'offre culturelle en centre-ville, les festivals, les salons, les trucs et les machins, ils sont tous en centre-ville. Et nous, on a décidé de le faire au Mirail. Et on est d'ailleurs très fiers que les gens du centre-ville prennent le métro pour venir au Mirail rencontrer des auteurs de toutes sortes, de tous les pays, des très connus, des moins connus, voilà. Et c'est donc une initiative qui nous tient à cœur, parce qu'elle réunit des milliers de personnes. Et voilà. Alors on est ouvert ici, la librairie est ouverte du lundi au vendredi, de 9h à midi et de 14h à 18h30.